Franchement, j'ai hâte de revoir ça. Ça, c'était le swag absolu, là, effectivement. Ah, c'était de on sera là pour commenter. C'était de tout côté. L'organisateur est un gros sac de ce qu'a dit Yajiji. Merci Yajiji, je suis d'accord avec toi. Bon, la roue. La modération est pertinente. Non, mais la modération ici, voilà. En fait, parti pour la troisième élite de la journée. Ils sont tous contre moi, en fait, dans la modération. C'est à peu près ça. En fait, les modérateurs ici. Tout le monde te déteste. Hein. Voilà, c'est les gens qui me détestent le plus, en fait, dans la modération. Voilà, typiquement ce qu'a dit Grid. Gigan, c'est parti pour la troisième élite de la journée. Ah, la troisième élite, vous voulez une élite? Non. D'accord. Bah, moi, je propose que du coup, on fasse une première perso l'élite sans leur demander, sans tourner la roue. Ah, ouais, voilà c'est ça. L'élite non. Allez, on va lancer la si roue. Si ça sort vraiment l'élite, je vais pas insulter, par contre. Un perso que vous ne souhaitez pas avoir, à part l'élite. Bon, tous. Bon. Voilà. T'as une chance quand même d'avoir un des persos que t'as annoncé. Hein. Allez. Ah merde. Bon, Maggie quoi. Ça sera pas Lilith. Ah. T'as pas l'air très heureux. Ça sera Eve. D'accord. Oh, okay. Ça va. Franchement, ça va. Il y a pire. Il y a pire, effectivement. Eve que je considère comme l'un des meilleurs persos du jeu. Oui, bah clairement, c'est un des meilleurs persos du ton. Hein. Je considère comme l'un des plus chiants à jouer, mais mon avis là-dessus. Là, pourquoi l'un des plus chiants à jouer, justement, tu nous expliqueras ça. Ouais, j'en parlerai après. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Alors, je vous dis 3, 2, 1, et go. Bonne chance à vous deux. Merci. Bonne chance. Voilà, donc, vas-y, je te laisse expliquer avant pourquoi Eve. Alors Eve, parce que Eve, il faut être très low life. Il faut être à un cœur, voire moins pour déclencher le War of Babylon. C'est parti chez les deux. Et quand on n'a pas de chance, on reste à un cœur rouge et on n'a pas de cœur bleu. Et le wipe peut arriver très, 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 très vite. Ouais. Après, je peux te comprendre parce qu'il y a aussi le souci du. Tu startes avec Eve, n'importe quel item, et là, premier devil deal, soit coffre rouge, soit Krampus. Et après, tu enchaînes que sur des God Room, et donc t'as que des cœurs rouges et tu sais pas comment. Que des cœurs rouges et tu es dans la merde. Ça peut arriver. Exactement. Ouais. Ah, Charm of the Vampire, voilà. Soigner en tuant des ennemis, on adore. Les meilleurs combos du monde. Oui. Voilà. Je vais faire un petit point bracket le temps que les deux nous fassent leur série de reset. Donc, comme nous sommes en loser bracket, le perdant de ce match sera éliminé. Et le vainqueur affrontera Nénès en espérant que le vainqueur de ce match-là ne se blesse pas. Carte monstrueuse dingue chez Majin Grams. Monstrueux chez Majin. La team malentendu. On te rappellera de ce match. Oh le knife! Oh là là le knife! Le knife! Voilà, alors Chou, faut pas que tu cracotes. Voilà, et là. Nous fais pas une massiste, hein, s'il te plaît. Et là, je pense que Shfu va évidemment ne pas utiliser la Razor Blade, histoire d'être bien safe. Généralement, dans cette salle-là, c'est bien géré. Ah, le knife, c'est plutôt sympa hein, quand même. Hein. Premier knife de la journée, je crois. Deuxième. Ouais, t'en as eu un tout à l'heure, c'est vrai. Ouais. Mais pas en starter. Il récupère des demi-cœurs. Ouais, il a pas fait attention. Est-ce que je me demande s'il est vraiment réveillé, Majin Grams? Est-ce qu'il est aussi réveillé que nous? C'est la question. Je suis réveillé, moi. Madame, tu vas te prendre un tome par massiste. Voilà. Oui, des bisous, massiste. C'est beau l'amour dans le donjon SM. J'aurais bien dit, je te prends sur une race quand tu veux. Le truc, c'est que la dernière fois qu'on l'a fait, il m'a mis une fessée monumentale. Donc, j'ai évité. Voilà. Pas qu'il fasse une Ika non plus. Ouais, non, mais ça va le faire. Faut pas qu'il fasse une caillouche non plus. C'est inévitable. Chua, quand même, c'est un de ceux qui a le plus progressé quand même pendant le tournoi parce qu'il avait fait un premier match contre Vincent qui était, on va dire, assez. Cringe. Ouais.
bouleversifiant, choqué, déçu, tout ça. Et il s'était vraiment très très bien débrouillé contre Bulfried, il a même failli le sortir. Hein, Oui. Donc, ouais, non, il a bien progressé quand même en assez peu de temps, notre cher Chou. C'est pas pour rien qu'il est arrivé en finale de la Pandora's Box, il a bien montré son jeu, c'était quand même très cool. Ah, voilà, oula, Madeline, par contre, il est touché là. Attention, surtout dans le placard. Ah, du coup, il aura pas son Devaldi là. Alors, la boîte de Arthur, il a pris. Il aura pris un droit à laisser. Voilà. Pourquoi tu sors des références comme ça, Léo? Oui. Bah oui, merci Arthène. Non. Non, mais c'est Léo, il a tout plein de références. Ah. Non, mais après, on doit laisser maintenant, c'est avec Julien Courbet. Bah, c'est plutôt à laisser, voilà. Du coup. Hein. Ouais, c'est plutôt à laisser. Bah, ouais, Julien voilà. Courbet, quoi. Hein. Bah, même avec Arthur, c'était aussi à laisser. La run Julien Courbet, comme ça. Ça parle même. Oui, Julien. Alors, est-ce que ça évolue au niveau de l'Ostropole? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Je regarde l'Ostropole, monsieur, qui s'en occupe ici. Voilà, résultat Ostropole. Quand ça va refresh, 3 votes pour Machine Gram, c'est 1 vote pour Chou, donc les gens, faut voter. Ah oui, non, mais là, oh là là, mais c'est terrible. Ah non, 4 mais... votes pour Machine Gram. Ah, merci, donc, les gens ont voté. Parce que bon, il y a que moi qui s'occupe des multi-Twitch, même pendant que je race, donc Ah mais voilà, ça parle, quoi. Ça parle tellement mal, c'est magnifique. Non, enfin, je l'ai fait une fois en plain race, mais bon. Ah, le Humbling Bundle, du côté de Majin, mais qui va étrangement quand même prendre ses pièces normales au lieu de sortir et voilà. Ouais, de... bah il y a pas pensé. Il a fait la bonne méthode. Mais par contre, il a bien pensé pour les clés et les bombes, du coup. Ça comporte. Il a essayé de bomber la machine de don avec ses larmes, ce qui ne marchera pas. Et on voit très bien que la machine de don n'est plus qu'à 223 pièces. Ouais, ouais. Ah, donc comme quoi, ne faites pas de mal à votre machine de don. Voilà, faut pas trop la bourrer. C'était nous qui nous avait fait le coup d'avoir une machine de don à 20 pièces. En début de match. Oui. Ça, c'est oui. Sur son dernier match, elle n'avait qu'une vingtaine de pièces. Et elle était en train de rager sur son stream. Quel con, j'ai pas remis des pièces. Bah écoute, oui, si t'es pas doué. Fais surtout qu'elle rechange sa save, quoi. Oui, voilà, une petite erreur de cité. Par contre, Magic Grams, les Bobby Bombs, voilà ce que ça fait. Ça suit les ennemis, pas les portes. Il découvre, hein, faut pas s'en prendre à lui. Par contre, là, il va crever. Attention. 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 C'est Chubb, la pire version de Chubb. Oui, attention. Attention. Oh, il a dû avoir peur. Là. Shigan qui est au bout de sa vie. Il a serré ses fesses là. Hein. De type. Rien de plus normal dans le beat. Et Krampus. Merci Léo. Putain. Oh là là. Par contre, Pyro chez Magic Grams, c'est Paro. C'est là, c'est cool. 99 bombes, mais 99 bombes téléguidées. Eh oui. Il a tellement pas de vie. Ouais. Alors, comme je disais, c'est le souci de Eve quand on n'a pas de chance. C'est ça, oh là là, et ça casse des boss hein, du côté de chez Chou. Ah bah, bon. Un petit couteau, je veux pas aller voir. Ah oui, bah, il y a pas de clé. Ah, il a fait la technique des ennemis qui se bombent eux-mêmes. Très efficace. Très efficace et très drôle à voir aussi. Très solidement testé. Alors là, Jar of Lies, pourquoi pas. Ça cherche à Ipicac. Oh, le petit Sintai là. Chez Chou. Dommage. Voilà, qui passe tranquillement hein, sur son Depth 2 quand même. Ouais, voilà. Doucement mais sûrement, il a beaucoup de vie, il a couteau, c'est la joie. Même si son couteau est un petit peu rapide, s'il a pris beaucoup de tears up et de shot speed up. Oh, mais il s'en sort, hein. Il gère bien hein, quand même malgré tout. Il s'en sort bien. Hein. Ça gère.
contre, là, pour Machine Cam, ce serait bien qu'il ait un Devil Deal. Ouais. Ce serait bien qu'il se fasse pas toucher au... Mais là, il va sortir toutes ses mouches d'un coup, voilà. Ouais, on l'a tous vu, on l'a tous vu se manger le Brimstone, là. Ça parle giga mal de Kaios. Le premier Devil Deal, joli. Il est bien, il est très beau. Ah, surtout que c'est l'île Brim en premier familier. Ouais. Ça peut être sympa, hein. Et la mame, la Red is Dead bientôt. La Red Mum Redemption. Ah mais Grid, attends, un bateau sur les fleuves, ça peut être utile. Voilà. Oh là. Ouh, le Devil Deal de merde. Jolie touche. Ouais. Oula, pourquoi t'as pris le contact? Bah, il cherche probablement Death Touch. Ah là 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 là, ouais, bah oui. La touche de la même mort. Avec. Avec son. C'est pas la folie, hein? Non, pas du tout. Avec son Monstrous Lung, c'est pas la folie, mais bon, ça va pouvoir l'aider, puisque comme il y a beaucoup de tirs d'un coup, ça peut sauver. D'incidents cons en fait, hein, tout simplement. Il jouera plus sa défense. Il faudra compter sur l'île Brim pour l'attaque. Ah, The World. Claquer, ouais, directement par Silentus. Il a raison. Bah, vu le retard qu'il a, il a complètement raison. Hein. Oui. Il trouve aucun cœur dans ses. Ah, par contre, ouais, le coup de Lost Contact, c'est quand même un item très mauvais. Alors, est-ce qu'il va tenter la Chaos? Il va tenter la Chaos. Je pense qu'il va tenter la Chaos, ouais. Non, je suis déçu. Contre, ouais, c'est vrai que ça a l'air de réduire la portée de Lost Contact, donc c'est assez violent. Bah surtout que ça bloque le tir ennemi et que ça fait pas grand chose quoi derrière. Après ouais, quand on n'est pas forcément bon en esquive ou qu'on veut rester sur place, par exemple là il pourrait bourrer avec sa. Ouais, est-ce qu'il va le tenter? Non, il le tente pas non plus. Joli diagonale du côté de Chou. Et Chou, ouais, qui va aller bourrer son mendiant pour essayer d'avoir un petit mapping. Je suppose. Mais le mendiant va lui donner un HP up, je pense. Oui, à tous les coups, oui. Voilà. Qui ne sera pas pris. Heureusement. Alors qu'il fasse gaffe à ses touches, hein, Chou. Hein. Ouais. Même s'il a probablement un Devil Deal qui va arriver dans les secondes. Avec un Abaddon, bien sûr. Avec un Abaddon, bien sûr. Ah, c'est pas Abaddon, mais c'est le. Mais le Fear Shot, c'est le Dark Matter. Joli diagonale. Bien géré. Kappa. Non, les diagonales, tout le monde les foire au moins une fois, donc voilà. Oui, c'est pas facile à faire. C'est la base. Le pire, c'est avec la manette. Eh ben, tu vois, moi, je trouve ça plus facile à faire avec la manette, justement. Ah. Je suis un joueur manette, donc... Aussi, deux cas d'école, mais bon. Y'a pas de soucis. Pas de sushi. Y'a pas de smushies, bah non, puisque. Mais il avait déjà joué. Y'a plus de smushies. Il a perdu. Y'a plus de smushies tout court. Bon, du coup, ça va assez vite hein, du côté de Chou. Il a quoi? Il a 2 niveaux d'avance, quelque chose comme ça. Il a 2 étages. Attends. 2 étages d'avance. Un étage et demi, pratiquement. Imagine Grams qui s'en sort quand même bien, hein, faut être honnête. Oui. C'est pas un DPS de fou, mais. Plutôt moyen, ouais. Non, il gère bien. Il gère. En fait, Imagine Grams, le vrai souci, c'est sa lock, il a jamais rien dans ses raids. Ouais. Ça peut se voir dans le Devil Deal, la Kamen Consumption. Ouais, voilà. C'est pas top, hein. Par contre, Chou, fais attention, il te reste plus que 3 coeurs. Un de chaque. Imagine Grams peut essayer de gagner sur un malentendu. Hein.
Oh, c'est pour ça qu'il c'est... Et ça, il arrête pas de le faire depuis le début du tournoi, de toute façon. Alors, oui, c'est le représentant en chef de la team malentendu. Rien de plus normal. Il était en coach chef à 29-41 la dernière fois. Oui, oui. Grâce à NTP. Grâce à NTP, ouais. Undefined. Oh là là. Il est capable de nous prendre ce match, hein. Il est en train de... Il est en train de streak, en fait. Mais j'attends les commentaires. Pas très évident du côté de chez Chou. Ouais. Juste avant le boss, il s'est pas fait toucher. Gaffe, très bien géré. Qu'il fasse vraiment très très gaffe à sa vie, Chou. Ouais. Et voilà. Et voilà, et de deux. Deux touches. Qu'un étage de retard. Attention. Ouh. Oh là là, nice move trop. Oh là là. Il a manipulé l'acide. Alors là, Chou va falloir passer la seconde et plus se retoucher. Voilà. On va falloir passer la cinquième même, hein, parce que... Imagine Grams, maintenant tu passes la seconde. Ça va revenir vite, hein, de l'autre côté. Très 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 vite. Ça... Du coup, ça devient intéressant, là. Ah oui, là, ça va être très tendu du string. Voilà, couteau... Il n'y a pas tant de dégâts que ça, par contre, avec son couteau, hein. Il fait pas tant de dégâts que ça, mais il a son Lil Brim derrière qui fait des dégâts, donc ça aide, regarde, voilà, un coup pour tuer. Bah niveau dégâts, les deux sont quasiment pareils, hein, mine de rien. Oui, c'est vrai. Bah War of Babylon, quoi. Plus, on va dire un dégât. Plus Saint-Hold d'à côté et l'autre de côté ouais, Dark Matter. Saint-Hold Dark Matter et de l'autre côté on a un Ceremonial Robe. Ouais. Et voilà. C'est à peu près tout. Ouais. Donc il y a peut-être plus un damage chez Chou que Majin n'a pas. Mais il a plusieurs knives. C'est ça, c'est le multi-knife qui va beaucoup l'aider. Bon, même si là ça devient compliqué. Hein. Même si au final Majin a beaucoup de bombes. Ce qui peut... Oh, le dégât pris pour passer vite. Ouais. Attention au caca rouge. Le coupable, ouais. C'est le caca rouge, évidemment. Toujours. Et Chou, pareil, il est plus qu'à deux cœurs. Ouais. Ça va être tendu du string. Ça va être de la boucherie. Voilà. Attention à les esquives. Ah, mais... Ah, oh, en plus, c'est vrai qu'on avait oublié, mais du coup, Majin a un couteau Lost Contact. Oui, et il a aussi le mapping. Pour le chess. Il a aussi le mapping. Et Chou, il va wipe. Et Chou, il va wipe. Attention, Chou. Danger, attention. Hey, ah, oh, oh, ah, mon dieu. Non, là, j'en fais trop. Aïe, 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 aïe. Majin a son destin entre ses mains. S'il va au chest, il prend le point pour l'instant. Allez, Majin. Oh là là là. Alors, l'Estropole, Kayosh. Merci, Kayosh. Merci, Kayosh, pour cette info. Je trouve... Un problème à la régie. Non. On a cassé Kayosh, s'il vous plaît. Non. Est-ce qu'on peut avoir un technicien pour réparer Kayosh? Alors, 7 votes pour Majin et 5 pour Chou. Voilà. C'est équilibré. Et c'est juste que je regarde un autre stream en même temps, c'est pour ça. Ah, merci, Kayosh. Et du côté de Chou, ça restart Epic Fetus. Ça restart Epic Fetus, c'est dégueulasse. Alors qu'il y a des gens hein, qui voilà, ont du mal à trouver un starter. Il y en a d'autres qui commencent Knife et qui finissent Epic Fetus. Voilà, non, mais c'est dégueulasse. Il y a Zazima et les autres. Voilà, c'est. C'est exactement ça. Oh là là. Le record de Zazima tient toujours quand même, hein, ce qui est quand même assez incroyable. Voilà, va bourrer avec le petit cachet rose. Je sais pas ce que ça a donné. Hein. Attention. Bon, en tout cas. Ouais, là le point. Majin Grams. Il est pour Majin. Ouais. Bah, surtout, il a le mapping. Sauf si. Voilà, sauf si. C'est un malentendu. Chest. Dead Eye. Oh là là. Tech-X. Non, mais Tech-X en plus, pénétrant quoi. Enfin, avec le Lost Contact, là, le Tech-X, là, c'est goldé. Ah, mais oui, mais avec le. Faut pas oublier qu'il a aussi le.
le merde, j'oublie toujours le. Voilà, le Monstrous Lung, donc il en lance plusieurs à la suite. Et oui. Avec le knife. Non, mais voilà, c'est gratuit là. Hein. Ouais, c'est voilà. Cracouze. Ouais. On disait malentendu hein, tout à l'heure. Ouais, non, mais là, si... là non. De toute façon, si il wipe, il me fout de sa gueule. Ah oui, bah là. Non, mais là, il peut clairement pas wipe. C'est, là, c'est impossible. Non. Mais pourquoi tu cries dans le chat, toi? Parce que... Arrête de crier, ça sature et c'est chiant. Ah, mais c'est voilà. Toi qui es chiant, Green. Ouh, voilà. Allez, on ramène les deux. Oh, Popo. Des bisous et... à toi, Green. GG Majin. Il a gagné Majin. GG Majin. Franchement. Ah, il manquait hacker et je suis passé au moins à chess, quoi. Ouais, mais je pense que ça revenait fort derrière. Ça ouais, ah oui. Oh là, je pense. Très fort. Il a eu une tech X. Ouais, voilà, ok, bravo. Bravo. Non, c'est... Ça, c'est je m'en voulais un peu, quoi. Fais chier. Ah, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, ah, ça ira bien, mais... GG Majin, c'est un gros match, en tout cas. C'est vrai que Chou était devant... C'est parti avec TechX. C'est parti, c'était starter TechX ou... Non, c'est... Non, c'était au chest TechX. Ouais, ah, d'accord. Oh, oui, okay. Non, mais moi, j'étais... C'était starter, c'est starter Monstro Lungs du côté de Majin. Quand j'étais parti, quand j'étais mort, j'y arrivais où, en fait? Il était à la KT. Ouais, il entrait dans ta KT quand t'es mort. Ouais, d'accord. Ouais, mais il revenait fort, il avait un monstro knife. Ouais, le knife, il avait chopé à Womb One, donc... Je me doutais que j'allais pas tenir trop longtemps. Ça revenait giga fort, on va dire. Ouais. Ah, c'était beau, hein. C'était très très beau. Ouais, mais un très beau final de la part de Majin. Donc GG à toi, Majin. Bravo. Ah, merci. Enfin, j'ai été bien aidé par un chest, un sac bag. Oh, t'as une bonne RNG à partir de mon A en fait. Oui. Avant, ouais, c'est... Avant, c'était vraiment pas... Avant, c'était une tristesse. Mais... C'était pas ouf. Hein. Contrairement à moi, quoi, qui a juste knife et. Allez, on va passer au deuxième. Z, deuxième perso. On n'était pas loin, c'est pas Lilith, mais c'est un perso que j'apprécie particulièrement avec Ayosh aussi. C'est quoi, c'est Maggie. La Maggie. C'est Maggie. C'est Maggie. Ah, Maggie, ah oui, Maggie. Ah, ça fait traîne. Donc, ce qui est bien, c'est que si on sait que c'était la plus belle run du tournoi, encore une fois. Ouais. Non, c'était pas la plus belle run du tournoi. Mais il faut dire que le match entre Massist et Smooshy Savant était un des plus beaux du tournoi. Ah oui, ouais. Voilà, comme d'hab. Salaud. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Alors, je vous dis 3, 2, 1. Et go! Bonne chance à vous deux! Bonne chance! Allez, bonne chance! Bonne chance! Bon? Alors. Maggie! Elle voit souvent rouge, avec ses cœurs rouges. Bah, c'est Maggie. Oh, merci. Merci beaucoup. Oh, voilà. C'était... Waouh, j'arrive pas à m'en remettre, hein, personnellement, j'ai été touché, là. Alors, vous pouvez capturer ce moment et le mettre sur Twitter, @malaisetélé. @malaisetélé, exactement. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Merci Léo pour ce moment. Ce moment karaoké. N'oubliez pas les paroles. Ouais, voilà. Non, le petit suicidé, monsieur Ténin. Tout le monde se suicide, tout le monde part sur Malestélé, c'est splendide. Oh, magnifique. Je n'en peux plus. Pourquoi il fait des curse rooms, notre cher Chou, là? Probablement pour essayer de trouver un truc cool, mais... En Devil Deal, on sait jamais. On sait jamais. Ouais, il va falloir qu'il évite de faire ça, parce qu'il va perdre du temps, hein. Ah bah sauf si Pax est starter. Ouais. Voilà. Ouais, ok, bon bah d'accord. Il m'a fait mentir, hein. Salaud. Ouais, donc Maggie, c'est... on l'a pas vu souvent du tout du tournoi. Je crois que c'est le perso qu'on a le moins vu. Ouais, il me semble aussi, hein. On l'a pas beaucoup vu et bon, de toute façon, c'est pas un personnage qu'on a forcément envie de voir. Oh, c'est un perso rigolo. C'est mieux que Lilith quand même. Oui, alors c'est mieux que Lilith, oui. Maggie, c'est mieux que la Rousseau, hein, définitivement. Clairement. Le Punching Goat qui est bon. Ah, oui. Oui, ouais. On va la bourrer. Pourquoi je parle le moins en disant ça?
putain, terrible. Soy Milk. Non, ne prends pas, ne sors pas Soy Milk, Majin. Ah si, respecte-toi. Ah, si, Soy Milk, s'il te plaît. S'il te plaît, manque de respect à ce point-là. Il start à belle. Pour le swag, juste pour le montrer. Juste pour le montrer, je crois. Juste pour dire, voilà, j'ai eu l'item le plus puissant du jeu, maintenant j'arrête de tricher. Les deux, voilà, je ne peux plus perdre. Les deux items les plus puissants du jeu. Effectivement, effectivement. C'est pété. Ah, le punching bag, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée hein, qu'il ait eu. Non. Non, Théodule, non, c'est pas une bonne idée. Je sais pas, moi je l'aime bien. Je l'aime bien le petit Théodule. Il peut servir, être utile quand on a besoin de souffler un petit peu. Quand on a besoin de lui, envie de lui, hein, tout simplement. Voilà, comme là par exemple, bah, il s'est pas fait courser. Ça a bien sorti, je trouve, sur cette balle. Ouais. Là on peut dire merci, Dudule. Merci, merci Dudu. Bienvenue. Voilà, là il a pas besoin, il a même plus besoin d'esquiver. Le record de starter de Zazima est en train de commencer à trembler. Hein. Je sais pas si moi j'avais. Sur mon dernier match, j'étais pas aussi, voire plus long. Hein, parce que j'avais un starter qui a mis du temps à venir et que j'ai failli abandonner le match puisque je commençais à en avoir à le cul. Donc... oui, c'était tout à fait compréhensible. Ah, de la vitesse pour Maggie, c'est très important. La vitesse, Rampus, très important aussi. Du shot speed. Alors une Maggie, oui, ça va nous faire une petite. C'est moi ou Théodule a été tué? Oui, oui, Théodule a été tué, mais Théodule peut mourir. Théodule, non. Théodule, mais Théodule va revenir. Théodule plus puissant que la mort. Faut pas choix 1, j'ai pas de... Bah mais c'est le gros beat à Dudule, évidemment. Ah, ça start Dr. Tutus du côté de chez Majin. Ah, là, il a plus. Potentiellement, Majin a un meilleur stuff que Chou. Hein. Oui. Merci, Arsène. Ah, bah voilà, ça y est. On a du starter des deux côtés. Oh, et le starter deck. Sympa. Il a pas pris PS par contre, attention. Ouais. Arrête de crier, mais je crie si je veux, merde. Flûte! S'il te plaît, Majin, ne nous fais pas une Tanook. Non, il devrait avoir cette pièce par un run. Oui. Sachant que c'est pas un IP Jack, The Devil, ouais. The Devil, ouais, pas mal. Si ça vient, ouais, voilà. Il va prendre la Clepsydre pour sortir plus vite du Fort Boyard. C'est plus normal. Bah, oui, oui, non, mais The Pact, oui, c'est un starter, on va dire, assez... assez mitigé. La note décor du tears up, mais de très légers dégâts. Fut un moment, c'est je ça. Startais avec, mais... Ah oui, The Emperor. Emperor. Emperor, et bah voilà. Oh là là. Et toujours plus. Ah, toujours plus loin, toujours plus haut, le saut. Bah oui, du dégât en plus, là là. Ça toil plus fort que la douleur. Le pansement des héros. Non, c'est nul. Bref. Malaise TV, acte 2. Mi-starter, mitigé. Et Gimpy aussi. Oh là. C'est la fête. Est-ce que je peux oser une blague de merde? Ouais, on en place après. Vous osez depuis tout à l'heure, donc allez, vas-y. Hein. Parce qu'il y a Gimpy en item. Est-ce que dans Absorbance Plus, on continuera avec Photofiltre? Oui, c'était nul. Hein. Oui. Pendant un moment, je me suis dit, est-ce qu'il a vraiment fait cette blague? Genre, j'arrivais pas à y croire. Je me suis dit, non, c'était pas ça la blague. Genre, c'est. Mais c'est... Si, si, si. Et il est mort de rire tout seul. Hein. C'est pas moi qui suis mort de rire, c'est l'autre. C'est pas moi. Non, mort de rire par rapport aux comment et aux blancs, donc. Et il trouve un Joker, Majin. Pas mal. Hein. Ah, je pense que les gens, ils vont être choqués, déçus. Nous sommes plus que 3 sur le beat. Il prend le missing poster. Oh là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va nous faire un Run the Lost? S'il te plaît, Majin.
Run the Lost. Pour le mauvais jeu, pour le mauvais geste. Pour le manque de respect. Très important de manquer de respect, hein. Dès lors que vous jouez contre quelqu'un, manquez-lui de respect. C'est important. Au début, vous lui crachez vos larmes à la gueule, et ensuite, vous lui manquez de respect. Ah bah... Oh, joli. Pentagram, Whore of Babylon. Pentagram, Whore of Babylon. Oh putain, non. Ah, moi, je ne lis même pas le ch... Non, oh, mais c'est quoi cette chance? Oh! Oh là là! Oh la boule magique! Pour Magic Gram, c'est les deux sont du chronométrage. Ah, mais cette salle-là, elle est rare à avoir! Hein. Ah, par contre, là, va falloir faire très gaffe aux possédés. Ah, oui. Tu vois, point de vie, hein, kill. Hein. Les fans possédés de Shigan qui le suivent et qui l'attaquent. Alors. Ouh! Oh, la Crown of Light. Un des trois meilleurs items de la God Room. Hein. Et avec du Tears Up, c'est bien joli. Eh oui. Et le Shot Speed Up aussi, ça, là c'est une très bonne combinaison. Là. Ouais. Il connaît l'acide. Imagine where no start. Merci Yvan. Pour ce moment qui finira sur Malest TV encore. Malest TV, sponsor officiel du beat. Ah, je pourrais. Hein. J'ai pas vu le début du match, parce que j'ai eu un petit imprévu. Ah. Donc j'ai vu un Dr. Fetus du côté de Majin Grams. C'est impact du côté de Chou. Ouais, d'accord. Par contre, chez Majin Grams, le screw, c'est une fausse bonne nouvelle avec le Dr. Fetus. Du Tears Up, quoi. Du Tears Up, mais du Shot Speed Up pour les bombes. Du Shot Speed Up qui va pas aider, ouais. Ouais, malheureusement. Faut pas qu'il farme comme ça. Les deux sont au même étage, hein. Les deux sont au même étage, effectivement. Oh là. Ça perd un demi-cœur noir pour en prendre un. Pour en prendre un. Est-ce entier. Que quelqu'un sait parler au russe Slovia. alors, vodka Poutine. Nazdrovia, c'est tout ce que je sais dire. Slovia. Liubot. Oh, c'est du russe, ça veut dire que c'est de l'amour. Petit mini-match du côté de Majin Grams qui lui donne de la vitesse en plus, encore une fois. Alors, Ziam Press. The Sun. Oh, nice. Direct. Et The Lovers. Ouais, pourquoi il a dit c'est direct, The Sun, c'est... Parce qu'en fait, il a une Joker... Ah, mais... Ouais, mais surtout, avec Glowing Angler, ça te permet d'avoir un mapping à chaque étage. Surtout, ouais. Oui. C'est dommage, hein. Il connaît pas, je pense. Hein. Je pense qu'il hein, il connaît pas. Bah non, mais... Ouais, après... Est-ce qu'il connaissait ou est-ce qu'il s'en fout? Ah bah du coup, le russe a été banni parce que ça veut jouer Dota. Et voilà. Donc voici Dota, un bon jeu. Dota, là c'était Dota Face. Hein, Dota Face 2. Wow. Le retour. De la vengeance. Retour de la vengeance. Imagine qui est devant maintenant. Imagine qui est devant. Ah non, quoique non. C'est Judas Shadow. Oh, Judas Shadow. Et crampé. Chou et Tadev 2. Un crampé, ouais, pour le coup. Je regardais le russe. Heureusement que c'était pas Alexander Pistolitov. Oui, il prend le Lump of Call. Ça sert à rien. Ah, du tout. Ça sert à rien, mais bon, ça donne un certain style aux bombes. Ouais, voilà. Ah, il a des bonnes bombes là. Là, il a un bon stuff. Hein. Il a un bon stuff, il reste plus qu'à se sacrifier en fait de tous ses cœurs. Je pense qu'il en a vraiment besoin. Je suis pas sûr que ça. Hein. Ah, ça peut lui donner de la vitesse, si je dis pas de bêtises. Alors, une famille, des clés, des bombes, de la thune, ouais. Ouais, ce qu'on disait, Vincent, il y a Chou s'améliorer en assez peu de temps. Il a bien progressé sur le jeu quand même, clairement. Voilà. En même temps, c'est un jeu où on peut que progresser. Hein, de toute manière. C'est vrai. Il est en train de faire du trick, imaginant. Oh bref.
Tant qu'à faire. Et il prend de la vie, hein. Il a pas mal de vie maintenant. Il fait de la streak en bombant toutes ses parts, donc. Allez, bon. Ah, les bombes qui trollent. Non, mais y'a rien en fait, t'as rien. Ah ouais, non, y'a rien. Y'a rien. Ça doit être une sacrifice room. Alors, il pourrait. Ou alors une salle de mini-boss. Ouais, ou alors une salle de mini-boss. Il y avait un rocher marqué pour Chou. Est-ce qu'il l'a vu? Peut-être après, on verra bien. C'est équilibré, hein, quand même. Théodule qui s'est cassé la gueule. Hein. Imagine un meilleur stuff, je trouve, que Chou, mais. Piagipi, il va faire le boulot, là, en plus. Avec le shot speed-up du. Non, on l'a pas vu, et la charge de la tête de Crampus n'est pas pleine. Et donc, ouais. Il aura plus de temps pour pouvoir finir Mam. Et ouais, il va souffrir, hein, là, sur sa Mam. Il a pas de dégâts. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'il va avoir une deuxième carte Empereur? Non. Est-ce que là, sa première carte, c'est Empereur? Ouais, oui. Il a un Joker Empereur, ouais. Oui, c'est ça, il a d'accord. Un Empereur et un Joker, en fait. Le Joker, je savais, mais je savais pas ce que c'était l'autre. Alors, il a un seul celui-là. Alors, de la merde. De la merde. Il aurait pu... Il aurait la pu même rouge. Oui, c'est vrai, il avait suffisamment de clés, il aurait pu... Oui, avec son nombre de clés, il aurait pu le faire. Hein. Par contre, il s'est trollé. Oh là. Utilise la mouche rouge. La mouche rouge de la Mom rouge. Il faut, en fait, il faut avoir le timing, hein, pour jouer Docteur ou Epic Fetus sur une Red Mom. Il faut juste avoir le timing. Et c'est vrai qu'il n'est pas évident. Ou alors y aller au corps à corps. Ou alors y aller au corps à corps. Quand avoir un orbital, c'est mieux. Ouais. Oh là là. Il veut tenter la technique de poser contre les murs, mais il n'y a pas le bon timing. Très très dur. Ouais, c'est très très dur en effet. Ouais. Il finit par utiliser sa mouche. Et je aussi les bombes qui vont super vite. Ouais, c'est ça, dommage. C'est ça le problème. Ça, mais il a quand même bien géré avec la moumouche. Alors est-ce qu'il va... Ouais, il va utiliser sa carte... C'est de la merde. Ouais, non, oui. C'est de la merde. Non, la merde. Mais il va quand même utiliser la carte pour Dark Matter. Ouais, il va se vider de tous ses cartes. Ouais, alors, est-ce qu'il va tenter le Conjoined? En plus, c'est le War of Babylon, voilà. Ça y est. Donc, bien c'est pour ça, en fait, qu'il a pris tous ses... Par contre, faut bomber. Qu'il a perdu tous ses cœurs rouges. Faut bomber, madame. Oh, le petit rocher marqué qui donne 4 bombes. Ouais. Sympathique. Ça peut toujours servir. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, et Chou là, il a plus sa Code of Light, hein, parce qu'il a plus de. Ouais, et puis là, il est en train de se faire bourrer. Il a perdu 3 cœurs dans la salle! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Eh ben, que dalle. Que de la merde. Pognon. Ça, par contre, il faudrait quand même la garder au cas où. Ouais. Oui. Non, ta couronne elle bug pas en fait, la couronne elle marche que quand t'as tes cœurs rouges. Quand t'es full life. Ouais. Ou alors c'est que quand t'as des cœurs bleus, ça marche aussi. Voilà, c'est soit full cœur rouge, mais soit... Mais il faut pas se faire toucher. Il faut pas se faire toucher de la salle. Il te fait toucher. Ah, et en plus il a la pile. Oui, donc il a deux charges de... Donc il a deux charges de son item, ce qui va pouvoir contre... Bah là, du coup, je vous, là, c'est bien dommage, là, les dégâts, c'est plus ça. C'est compliqué. Ouais. Hein. Avec sa Chrono Flight, il avait encore une chance, mais là, il va wipe. Hein. Ouais, là, plus vraiment. Là, il va wipe. Hein. C'est sûr et certain. Et Conquest du côté de Majin. Ah, bah, c'est assez simple avec les bombes. Et encore plus simple avec un Brim. Ou un TKX. Ou un TKX, ouais. Ou un knife, hein, tant qu'on y est. Par contre, il faut qu'il fasse attention parce que, ouais, il se fait pas mal toucher. Est-ce qu'il va prendre le cheval? Oui, il prend le cheval. Oui. Oui, il prend le steak. Il prend le fardus. Voilà. Toujours plus loin, allez. Ouais, toujours la bonne lasagne. Toujours.
Oh là là. Oh, c'est non. Pas de bol. Oh, s'il te plaît. Par contre, il a quand même fait popper un... la Small Rock. Et il nous chope le Small Rock. Tranquillement. Ah là, je joue ça au wipe, là. C'est sûr et certain. Ouais. Ah là, il est en position normale. Là, c'est quasiment mission impossible pour lui, là, honnêtement. Même Magins, hein, je sens le wipe du côté de Magins. Mais ouais, Magins, mais là, Jedi Shadow. Ah, et ça. Oui, c'est vrai qu'il a Jedi Shadow, mais non, le wipe chez Shfu, il a pas eu de chance. Et Siren était vraiment pas top. Il faut dire que vu les règles, il va prendre tard trop. Ouais. Il faut dire que vu les règles qui ont été mises également, si Magin atteint le Eclipse, ce qui est probable, il prend le point. Hein. Là, sans hésiter. Depuis un match, on va dire, assez obscur qui a eu lieu, on ne citera pas de nom. Je vois pas de qui tu parles. Je sais pas. C'est... Est-ce que ce serait un des commentateurs présents dans cette race? Je sais pas. Perso, je sais plus. Oh là là, Majin. Majin, s'il te plaît. Oh là, non, c'est Maggie. Vas-y, Richard. Vas-y, sors. Pourquoi est-ce qu'il a pas pris? Ah, il veut se sacrifier. Il veut prendre son. Encore un pic fétu du côté de Chou. Epictetus pour Chou. Qu'est-ce qu'il nous fait? Non, mais va battre le boss avant! Va battre le boss avant! Mais qui. Va battre ton boss, bordel! Attends, il a trouvé la super secrète. Et puis après, il y aura un Devil Deal, il y aura un truc totalement pété, il va faire inverse, je peux pas le prendre. Ah, il pourra le prendre, mais il sera un cœur. Mais. Il va pas dans la super cicatrice. Bon. C'est qui qu'il y fait? Ah là, la première. Il se fait toucher en plus. Je sais plus. Donc voilà, bon bah. Pas de Devil Deal possible pour Magin Grams. Il reste plus que deux cartes. Oh là 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 là. Magin, eh oh! Magin, arrête de faire ton sac, merde! Ne te jette pas! Arrête de faire ton vénère, s'il te plaît! Alors, Devil Deal. Et voilà, il peut pas le prendre. Si, il peut. Il peut, mais il mourrait, quoi. Non. Bah, s'il utilise la coop baby, il peut. Mais il ne vaut pas tenter le diable. Surtout que là, de ce que je... Oh non, mais... mais merde. Oh, c'est tellement beau. Oh, je suis désolé. Oh là, c'est magnifique. Alors là, Shfu, on est à 20 minutes sur le timer, on va falloir qu'il aille très vite. Hein. Ouais. Mais il a une run potentiellement sub 10, donc il peut. Hein. Oui, quasiment là. Oui, il a une run sub 10. C'est même plus de quasiment, il y a une run sub 10 là. Ouais. Ah, s'il joue bien, parce que. Ouais, voilà. N'importe qui n'arrive pas à faire sub 10 avec ce stuff. Hein. Et je parle en connaissance de cause, bisous. Faut bien gérer le docteur Tutu, Epic Fetus là. Ouais, il faut tout bomber à peu près. Hein. Ouais, perso, j'ai fait mon premier sub 10 dans la semaine. Mais ce n'est pas avec un Epic Fetus. Non, c'était avec The Mind. Faire The Mind et Tech X derrière. Pas mal. Hein, pas mal. Ouais. Attention, ouh, il reste plus qu'un cœur à Magin Grams. Attention, les secousses. Ah, dommage. Il avait son Black Market. Dommage, c'était Rosary. C'est dégueulasse. Dommage, t'es Betrayal. Ou Tekix, hein. Tekix, ça peut arriver. Hein. Ah, shot speed up. Ah, pas top. Pas top. Bah, il a Epiphétus. Faut que Chou se dépêche. Ouais, mais ça. Ah, mais casser, avec les couteaux. Ça va casser ses cœurs. Enfin, ça va casser ses couteaux. Ah, The Sun. Ah là, Shfu, c'est très bien ce qu'il va faire. Là, il va aller très très vite. Ouais. Il bombe toute sa life. The Sun. Et The Sun. J'imagine. Le boss est tout prêt. Oui, voilà. Attention. J'ai peur. Ouais, on a tous peur. Pyro, oh, Pyro en plus. C'est dégueulasse.
Qu'est-ce qui nous fait... Mais qui... Ah, et en plus, Chou qui a un incubus. Et de deux... C'est un incubus qui, bizarrement, ne tire pas de couteau. Non. Ouais, c'est assez curieux. Ça. Ouais, ça m'étonne. Hein. Oh, Abaddon, oh là là. Non, mais là, Chou, t'as même pas de question à te poser. Hein. Là, tu fonces. Il faut que Majin wipe hein, pour que Chou récupère. Oh là 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 là. Oh, c'est n'importe quoi. Oh là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il a 7 minutes, hein, Chou. Hein. Ouais, 7 minutes, c'est largement jouable. Mais non, pas la porte, ça sert plus à rien. Ça me fait peur, Majin. Ça me fait peur. Et Majin qui sort. Il a quand même des clés pour essayer de trouver quelque chose dans ses coffres d'une chaise. Et puis l'empereur. Mais il faut pas qu'il meure sur son Blue Baby. Abel Bursting Sack, qu'est-ce que c'est? Oh là là, c'est de la merde. Caca. Il prend Abel. Bah, oui. Avec Abel, la vie est belle normalement. Mais... Le goût des choses simples. Oh putain. Ouais, là le masque. Le Zolo. Horreur. Oh merde. Si il finit avec The Lost, c'est le vainqueur du tournoi. Je l'annonce. Ça aurait été splendide. Les dégâts de Chou, ça allume Frida. Bah là, du coup, Chou, là, bombe, trace, cours, vite. Ah, je sais pas pourquoi il a pas pris le Lump of Coal avec son stuff. Bah, ça sert à rien, c'est accessoire pour les deux, honnêtement. Ouais. Bah, ça fait du dégât sur le knife, quoi. Ça augmente non, les même dégâts. Pas. Non. Même pas. Même pas de dégâts sur le knife avec. Et ça fait juste une petite déco. Voilà. Oh, la déco, c'est déjà mieux que rien. Je pense que. Bah, oula. Il va même plus y aller, hein. Ouais, je pense donc en gros, faut que Chou termine, hein. Il a 5 minutes. Ouais. Alors, faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il fasse très attention, qu'il aille vite. Il a le stuff quasiment pour. En plus, il a un petit bug que j'ai remarqué quand il fait péter un de ses epic fœtus dans une salle et qu'il rentre très très vite dans l'autre. Il y a l'effet couteau dans la deuxième salle. Ouais. Ce qui est pas mal, ce qui peut lui permettre de faire pas mal de dégâts d'un coup. Même normal, donc ce qui l'arrange. Oh, par contre, faut qu'il fasse attention. Ouais. Il reste combien de temps, Shigan? Il reste 5 minutes. 5 minutes, ça peut être jouable. Non, il va pas prendre le gap. Ne prend rien. Sors. Il aurait pu tenter de voir le boss rush s'il y avait une petite TP. Ouais, une undefined, ça serait... Même la TP bleue a fait le taf. Alors qu'est-ce que c'est, Sylvain Rouf, le nom Gardoson? Ah, il a commencé Tech 5. Oui, j'ai eu peur que... Ouais, mais je pense qu'il s'est dit autant continuer. Enfin. Mais non, cette porte-là, tu ne peux pas la bomber. Non. Oh là. Ouh. Oh putain, la passe. Ah merde, le match. Bah, du coup, on va se retaper tout ce bordel. Et donc là, pour Chou, s'il veut gagner le point, il est obligé de tuer le Blue Baby. Ah, il est obligé de finir. Eh oui. Obligé de finir ça, non. C'est les conditions qui ont été mises après. Il a trouvé la salle de boss. Attention, caca rouge. Voilà. C'est bon. Ouais, alors, par contre, son boss. Par contre, il va se faire bourrer. Quasi one shot. Tout va bien. Ouais, il a quasi one shot là. Et voilà, parfait. Alors, petit Squeezie. Très bien. Squeezie, décor bleu. Très très bien. Ouais. C'est serré, hein. Ouais, c'est serré. Là, c'est... Là, c'est chaud, hein. Chou a son destin entre les mains. Ah bah, oui. il a 3 minutes aussi, hein. Aussi. Bah, il est à Womb 1, hein. Womb 2 déjà. Ah ouais. Ouais, mais bon, après il lui reste déjà tout Womb 2 à faire, l'AKT plus le chest. Ah oui, il a pas d'empereur.
Madjin, il m'a quand même il tué. Il a pas d'empereur, mais il a un Sun. Il m'a tué avec son The Lost, Madjin. Hein. Ah non, non, franchement, ça c'était magnifique. Ah, il aurait tué avec The Lost, très, mais. Très, très beau. Bah, en fait, il faut dire aussi, il n'avait aucun trinket intéressant, donc autant garder ça, ça peut toujours faire une petite survie. Mais non, toujours pas, cette porte, ça ne veut pas s'ouvrir, donc ce sera forcément l'autre. Attention, le petite touche. J'ai cru qu'il allait se faire toucher par le tentacule, hein, par le Cthulhu. Oh! Et c'est toujours pas là, Dieu! Eh si, c'est ici. Si, c'est là. Allez, là, son masse. C'est là. Il a une minute par étage. Hein. Là, il y a 2 minutes 15, sachant qu'il y a un peu de délai, ça va y faire 2 minutes 30. Attends, j'ai un empereur. D'accord. Si c'était The Emperor, alors là, ouais. Ce serait beau. Bah, oui. Oui et non. Oh, la touche. Ah, dommage. Non, mais faut y aller, tout. Il faut y aller, faut pas réfléchir. Je pense que ça va pas le faire. Ouais, voilà, non. il craque son scène ici. Non, mauvaise idée. Pas forcément la meilleure idée du monde, mais. Pas forcément la meilleure des idées, mais ça reste sa meilleure solution s'il veut gagner parce que. Pour moi, il. Ouais, non, mais il sait où il va. Mais le truc, 30, c'est que. C'est qu'ensuite, ouais. Au test, ça va être l'horreur. Une minute ouais, 30. Mais en fait, là, ce qu'il espère, c'est tomber sur deux slots. Ouais. Qui peuvent donner soit du mapping, voire mieux la carte de l'amour, The Emperor. Ouais, sauf que là il en a rencontré aucun. Ah, il en a aucun. C'est terrible. J'étais en train de me demander pourquoi est-ce qu'il bombait pas sa porte. Voilà. Ah, peut-être parce que il est devant Isaac. Non, je suis pas réveillé, je vous rappelle. Mais t'inquiète pas. Si, t'inquiète pas, t'es réveillé là. Toujours debout. Ah, toujours la banane. Hein. Toujours la banane. Il est pané ou mal barré. Ouais, voilà. Bref. Il espère aussi peut-être un petit coup de chance. Ouais, un petit Effectivement, je trouve que c'est un speedrunner de Arc's Adventure également. Ouais, c'est bien vu quand même. Isaac n'est pas le seul jeu qu'il maîtrise. Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Non. Je la ramène dans 20 secondes. Ouais, non. À moins qu'il ait vraiment beaucoup de chance. Ouais, non, il se fait bourrer en plus. Il va même sur wipe. Hein. Ouais, il va sûrement wipe. Hein. Allez, la petite télépills. Ah non, là, elle s'est dégueulasse. Ah, il a le demi-cœur, il peut le prendre. Il avait le demi-cœur qu'il aurait pu prendre. Ouais, mais là, il a pas le temps, là. Il a wipe en plus. C'est... De toute façon, les 30 minutes étaient atteintes et le résultat. Ah, pour moi, il me manquait 30 secondes encore. Ouais, t'aurais. Non, je suis à 30 minutes. J'ai lancé le chrono direct dès que. J'avais lancé le chrono dès qu'on commençait. En fait. Oui, mais il y a un certain décalage quand tu lances le timer Shigan par rapport aux autres. En fait, quand il dit start, on start et c'est à ce moment-là que j'ai lancé le timer aussi. Normalement, on a pas... je sais pas si vous parliez ou si je. Ouais, c'est cool de pouvoir se parler. Du coup, Il m'a dit. En fait, j'avais vu, il a wipe pas de chess. Genre, déjà, je voyais le chat qui disait qui bourre, je peux le rattraper. Je fais ouais. Non, mais t'aurais pu le faire avec ton stuff, ça aurait pu le faire et. C'était la merde. Quoi. Effectivement, j'ai une piété dégueulasse. Madjin l'emporte. Ah, c'est. Et le chat, j'ai pas vu. Sur The Lost. Mais... ouais, sur une belle race en The Lost, c'était magnifique. Ça m'a bien fait rire et tout. Et voilà, donc belle victoire de ta part, Madjin. C'était un beau match. Beau match, je suis pas sûr. Mais si, c'est un beau t'as mais deux fois je wipe le premier, le deuxième je chope un épique fœtus quoi. Ouais, la base. Et la base. Et du coup, Madjin, on se retrouvera très rapidement normalement contre Dennis. On va essayer de faire en sorte que les matchs du round suivant soient demain ou mardi, mais on verra bien. Voilà. Donc tu affronteras Dennis très rapidement. Ouais. Ok. Non. N'oublie pas de mettre tes dispo à jour. J'espère t'en voir pour un autre tournoi. Ouais, je vais voir. Faut que je me remette au speedrun avant, tu vois. Donc peut-être pas maintenant.
Ok, donc on va passer au match suivant qui va être un match du loser bracket mais du round un peu plus loin. C'était le plus beau match des tournois qui gagne. Non, c'était pas le plus beau match du tournoi. Non, il y a Téné qui demande. Ah si, c'était le plus. Ah si, quand même. C'était pas le plus beau match du tournoi. Donc on va passer à un match loser bracket entre Tanouk et Popoch. Un très très gros match à venir. Oh, oui. Entre deux joueurs qui ont à peu près le même niveau. Ça va être sympa. Ça va être sympa et tout. Donc